Jessie et bien. Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo qui va de nouveau traiter de la disparition du petit Émile suite à vos réclamations. Sur la vidéo, il y avait un problème de bande audio, donc je vous prie de m'en excuser, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les aléas de mon téléphone qui me sert de caméra. Donc, trêve de blabla, je vais faire un tirage qui sera forcément différent pour ceux qui ont réussi à entendre le premier. Je m'étais dit que j'arrêterais là parce que je pense qu'il faut savoir respecter aussi la famille. Et puis j'ai vu des grosses dérives au niveau des recherches sur le terrain avec des conversations de certaines personnes qui disaient parler à l'enfant, le sentir, c'était très perturbant. Alors je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, je sais pas, mais il y a une manière de... Il y a eu vraiment un manque de respect à ce niveau-là, je trouve, à mon échelle en tout cas. Donc je vais me concentrer aujourd'hui sur Émile et essayer d'y voir plus clair à l'heure actuelle. Donc je publierai cette vidéo, j'essayerai aujourd'hui. En tout cas, nous sommes le samedi 15 juillet. Et il est environ 15h30. Donc je vous donne toutes ces précisions parce qu'aujourd'hui, forcément, les informations risquent de différer et d'avoir évolué. Alors, Émile, qu'était-il arrivé le jour de ta disparition? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce jour-là, j'ai une carte qui est tombée toute seule, donc il s'agit de la probité. Je vais tirer les cartes et puis je vous fais le compte-rendu immédiatement. La célébrité. Le passé. L'obstruction. La perte. Alors, est-ce que j'ai encore des cartes qui veulent venir ou est-ce que je complète moi-même le tirage? Je vais vous dire ça immédiatement. Alors, nous avons ici plusieurs cartes, mais celle-ci s'est retournée, pas les autres. Donc, nous avons une fille sincère. L'inquiétude. La tempérance. Excusez-moi. La duperie. J'espère vraiment que ça ira pour lui. Ouais, alors là j'ai la carte de l'entourage qui vient de se retourner. Donc il y a des choses que je ne dirais pas par respect, par souci de... Oui, de respect avant toute chose hein, par rapport aux proches, par rapport à l'enquête également. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes ressentis, bon, il y a des choses qui me courroucent pour le moins. Des joies profondes,
Donc là, je demande à ce qui s'est passé pour Émile ce jour-là. Je rappelle. Un amant ou une amante. Pour moi, je rappelle que j'avais le sentiment que c'était quelqu'un qui aurait pu être présenté récemment à l'enfant. Quelqu'un qui aurait été dans la famille, mais récemment. C'était en tout cas le premier ressenti que j'avais quand je voyais un peu la scène comment elle se déroulait et dans mes impressions, hein, bien sûr. Donc ici, on nous parle de folie. Malheureusement, ça ne peut qu'être l'objet d'une personne malade et de la colère. Ok, donc ce jour-là, autour du petit, voilà un peu ce qu'on peut nous dire qui s'est passé. Donc je vais vous en dire un peu plus maintenant que j'ai les cartes. Donc en fait, on nous dit dans un premier temps qu'il y a eu un visiteur, en fait, quelqu'un qui venait pas de la région, qui s'était rendu chez ces personnes. C'était une personne qui se présentait sous des airs de quelqu'un de confiance. Alors, cette personne, c'est le roi, hein, donc on peut nous parler d'une influence, surtout, bah oui, d'une influence en fait, hein, quelqu'un d'influent. Après, nous avons la célébrité, donc ça confirme un peu ce phénomène. Donc la célébrité, ici, on nous dit que, eh bien, cette carte, en fait, représente un peu quelqu'un qui serait célèbre par de la réputation, peut-être, mais pas par l'argent. Peut-être par des biens matériels, mais pas par l'argent financier, pas les sous, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un appui venant de l'étranger, qui serait venu autour du petit. Voilà ce qu'on me dit. On me dit aussi, donc, le passé ressort. Le passé, pourquoi? Alors, le passé, tout simplement parce qu'on nous parle de tradition. Et là, on invite la famille du petit et ceux qui connaissent bien le dossier à se rappeler d'un événement qui a eu lieu et qui a été marquant. Et autour de cet événement, il y a quelque chose qui s'est décidé pour cet enfant. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui avait déjà rencontré l'enfant peu de temps avant. Après, on nous parle de l'obstruction. Donc, l'obstruction, c'est quelque chose qui fait opposition à. Donc, ici, on nous dit qu'on va nous rendre un petit service. La carte est arrivée dans le sens de l'obstruction et on va avoir une aide extérieure. Donc, est-ce que quelqu'un va parler? Quelqu'un aurait-il vu quelque chose ou déjà annoncé quelque chose aux forces de l'ordre par rapport à ce qu'il a vu? Nous avons la carte de la perte qui est symbolisée par le 5 d'épée. Et là, on nous conseille. De ne pas jeter trop de. Comment dire De faire très attention aux spéculations. Voilà. Il faut faire très attention aux spéculations parce qu'on va perdre du temps. Ici, donc, on nous parle également de cette fille sincère. Fille sincère, on nous parle peut-être d'une personne qui était amoureuse ou qui venait de tomber amoureuse. Donc, on parlerait peut-être plutôt d'une fille blonde, aux cheveux clairs. Qui aurait beaucoup de qualités, qui serait quelqu'un qui serait dynamique, optimiste, une personne très avenante. Quelqu'un donc pour qui il y avait une situation d'un amour nouveau. Est-ce que quelqu'un aurait ramené un conjoint dans cette famille? Je me pose vraiment la question, ou un ami. Au niveau de l'inquiétude qui est présent, bon, bah alors là, évidemment, on ne peut que la comprendre, hein, c'est sûr. Cette inquiétude nous dit en fait que. Alors, on parle aussi d'argent, hein, parce que c'est des florins qui sont représentés en dessous. Donc, l'argent était un problème dans ce foyer. Et on nous parle aussi d'une somme d'argent, d'un acompte qui aurait pu être versé autour de peut-être une séquestration, un enlèvement, une demande qui aurait été faite autour du petit. Là, j'essaye de vous parler un peu plus librement parce que j'ai vu tellement d'horreurs que je me dis que je peux au moins essayer d'être plus poussée dans mes analyses en restant très respectueuse. Ça ne coûte rien. Donc là, on nous présente la tempérance qui est en réalité l'ange de l'Apocalypse. Ici, on nous demande de faire preuve de dévouement, d'abnégation et d'accepter les choses telles qu'elles sont. En général, on nous dit que ça, c'est une personne qui faisait preuve de colère. On a été dupé aussi, donc oui, effectivement, et le petit a sûrement été dupé. Et ici, ce qu'on veut nous dire dans cette carte de Dupri, plus précisément, c'est qu'il y avait un projet qui était bloqué autour de cette situation, autour de cet enfant qui posait problème et que l'enfant potentiellement aurait été utilisé pour régler cette situation. L'entourage qui ressort est accompagné du 6
6, du 6, donc qui peut être aussi un symbole sataniste, hein, ici. Le 6 Guinée, donc c'est une carte qui incite à considérer surtout les actions présentes et à ne pas trop chercher dans l'avenir. Donc on nous dit attention, les médiums, les cartes, tout ça, tout ce que je suis en train de faire pour l'instant et tout ce qui est autour, on va arrêter un petit peu avec ce sujet. Joie profonde pourquoi? Parce que c'est le soleil qui est représenté ici et c'est la meilleure carte du jeu. Ici, on nous parle d'un bonheur durable et sans nuage. Donc, il se pourrait qu'en fait l'entourage ait voulu mettre fin à un problème. Hein. En faisant disparaître l'enfant, on mettait fin à un problème. Et donc, l'amant et l'amante, donc là, on nous parle, on nous parle de peine de cœur, quelqu'un qui a voulu peut-être se venger, potentiellement, quelqu'un qui serait donc proche de la famille, comme je le dis, et qui a voulu, par folie, agir pour blesser quelqu'un d'autre en utilisant cet enfant. Donc la carte de l'alchimiste et de la folie démontre une attitude stupide qui a eu lieu autour de ce petit. On nous montre aussi que c'est une aberration ce qui s'est passé et quand on va apprendre, donc on aura tous énormément de colère. Énormément de colère qui nous attend dans cette affaire. Pourquoi la colère? Eh bien, en fait, il s'agit en fait de nous donner une indication d'une zizanie autour de la famille et d'un deuil possible à ce niveau-là. Voilà mon tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Je vous propose de compléter mon tirage du samedi 15 concernant le petit Émile. Donc, j'ai fait un premier tirage samedi, donc hier, que j'ai interrompu volontairement puisque j'avais déjà pas mal d'informations à vous communiquer. Et aujourd'hui, je vais compléter le tirage avec donc ces deux façons de procéder, le tirage des cancans et des embrouilles au salon. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu ennuyée de recommencer des vidéos au sujet de cet enfant, mais je pense que... Alors, je vois que ça vous intéresse parce que je pense que ça vous inquiète. J'espère que vous ne pensez pas que ce soit du voyeurisme ou des choses comme ça. J'ai vu des commentaires que je comprends complètement. Des personnes qui ne sont pas convaincues par l'activité de cartes ou de choses comme ça. Et je l'entends, hein. C'est vrai que la taromancie, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je ne suis ni tarologue, ni voyante reconnue, établie dans ce type d'activité. Moi, ça s'est développé au fur et à mesure, en fait, suite à plusieurs chocs, mais à un gros, gros choc qui a fait que ben, j'ai commencé à ressentir des choses plus le temps passait, plus j'arrivais à percevoir notamment les personnes décédées et à ressentir un peu leur état d'esprit, si je peux dire ainsi, leur état d'âme. Voilà, ça a commencé comme ça. Et les cartes m'aident en fait à me faire confiance. Et puis ça apporte beaucoup d'informations aussi, hein. C'est pour ça que moi, j'ai aucune façon de procéder qui soit comme, qui dirait, déontologique. C'est vraiment à l'instinct. Voilà pour mes précisions. Et là, mon instinct donc me dit qu'il faut que je complète ce tirage pour pouvoir déjà voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être le 16 juillet. Donc, nous allons vérifier. C'est parti. Donc, je me concentre. Donc là, nous aurons l'avis du petit par rapport à la rumeur à son sujet. Ça, c'est la rumeur autour d'Émile. Hein. Ici, ça serait sa version. Comment lui, il a perçu la chose. Là, nous aurions la version des personnes qui sont probablement intervenues. Ici, nous aurions donc. Ah, j'ai mon chat qui veut sortir, excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Donc là, au niveau de la quatrième carte, ça serait la vérité par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, celle qu'on pourrait nous dire aujourd'hui. Et puis, là, nous aurions un conseil et enfin une évolution de la situation. Alors, je vais commencer immédiatement. Donc, nous avons en première carte et en premier lieu
une rumeur au sujet de cet enfant. Donc, on voit que c'est la carte de l'amour qui ressort. Ça peut nous indiquer ici que cet enfant donc était entouré d'une bonne harmonie, d'une certaine tendresse. C'est visiblement plutôt dans la joie et bien entouré qu'il vivait son quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on nous donnait à voir. Pour lui, alors pour lui, la version est un peu différente puisqu'on arrive sur la carte du voleur, le valet de carreau. Et la carte du voleur ici nous indique qu'en fait, selon le petit, nous serions face à des personnes plutôt malhonnêtes et dissimulatrices. La version de l'entourage, des présents qui arrivent renversés. Donc l'entourage, quand je dis l'entourage, c'est des personnes qui ont expliqué ce qui s'était passé ce jour-là, qui ont déclaré la disparition. Donc pour moi ici, on nous annonce que ces personnes, en fait, ont fait un cadeau empoisonné. Il y a eu quelque chose de l'ordre du mensonge, on a voulu idéaliser les choses. Voilà. Leur version a été idéalisée. La vraie version. Nous avons la carte de l'espérance qui sort sur la vraie version des choses qui se sont passées ce jour-là, ou qui se seraient passées ce jour-là plutôt. Du coup, on nous indique en fait une carte qui représente la foi ici, hein. Donc, je crois, si je ne m'abuse pas, avoir entendu dire que cette famille était une famille pratiquante catholique, un petit peu même à l'ancienne, puisqu'ils assistaient à des messes en latin, je crois, du côté d'Aix-en-Provence, me semble-t-il. Donc là, on nous parle de foi ici, et on nous dit donc ça serait la véritable histoire. Donc j'espère, j'ose espérer qu'il ne s'agirait pas de sacrifice par rapport à la foi. En tout cas, on nous indique une personne qui serait dévouée, qui serait plutôt fatiguée, hélas, hein, quand on voit la carte. Voilà. Donc en fait, on nous apprend qu'ici, contrairement à ce à ce qu'on nous indiquait, c'était une belle situation, un bel entourage. En fait, on est face à des personnes qui étaient fatiguées, épuisées par ce rôle, alors rôle parental, rôle de responsabilité peut-être plutôt, et c'est des personnes qui ont fait preuve de passivité, d'attente, qui ont fait preuve peut-être d'immaturité, je dirais, hein. Donc ici, on ne nous indique absolument pas du tout que c'est quelque chose qu'ils auraient fait eux-mêmes, mais on nous dit que ça tranche bien avec la version du couple parfait qu'on nous donnait au départ. Nous avons enfin le conseil à déjouer et le problème qui serait à dénouer serait les contrariétés. Les contrariétés ici, donc symbolisées par le carreau, arrivées à l'endroit, nous annoncent des déceptions et on nous annonce des fausses apparences en fait. Voilà, donc il y a quelqu'un dans cette histoire qui joue, entre guillemets, hein, si je peux utiliser le mot jouer, mais qui se masque derrière des fausses apparences. On nous apprend aussi ici qu'on va avoir une déception ou que c'est quelqu'un qui a déjà été déçu. En tout cas, c'est une carte plutôt négative. L'évolution de la situation, alors on arrive sur la carte de la victoire, et ça, c'est vrai que c'est plutôt engageant pour l'idée qu'on pourrait avoir des nouvelles. Alors des nouvelles bonnes ou mauvaises, ça, bien malheureusement, ça ne nous le dit pas ici. En tout cas, ce que ça nous indique de cette situation, c'est qu'il va y avoir une évolution plutôt positive, avec un triomphe sur l'adversité. Et une fin de conflit probablement, hein, quelque chose dans ce genre. Donc on pourrait nous dire qu'on va avoir des nouvelles et qu'on va savoir ce qui s'est passé. Ce que je peux vous proposer, pour être plus précise, c'est de recouvrir ces cartes et puis après on fera le deuxième tirage pour comprendre, donc qui s'appelle les embrouilles au salon, qui permettra d'étudier le problème qui s'est passé peut-être autour d'Émile dans ses proches. Ce jour-là ou dans les mois à venir, bien sûr, j'accuse absolument pas la famille. Je demande si autour d'Émile, dans son entourage amical ou familial, alors amical, je m'entends, hein, c'est pas des enfants de 2 ans et demi, mais est-ce que ses oncles et tantes jeunes auraient pu recevoir des amis ce jour-là? Nous ne le savons pas, mais les gendarmes sont au courant de tout et je suis persuadée qu'ils ont des informations en leur possession qui vont leur être très utiles. Mais malheureusement, en ce qui concerne vraiment mon ressenti, c'est pas très positif, je vous le cache pas. Pour moi, sans rentrer dans les détails scabreux, l'énergie de cet enfant,
N'est plus. Alors, donc je resitue ici, la rumeur au sujet de tout ça est recouverte par la femme méchante. On a beaucoup, beaucoup critiqué la famille de cet enfant qu'on ne connaît pas. C'est des jeunes peut-être, mais ça ne veut pas du tout dire que ce sont des personnes mal intentionnées ou de mauvais parents. Moi-même, j'ai été une très jeune maman, donc je sais de quoi je parle et ça ne m'a pas empêchée d'avoir un enfant brillant aujourd'hui et qui va très bien. Donc là, on apprend finalement que la rumeur, qui était plutôt une famille aimante et on va dire bienveillante au départ, a été abîmée par ce qui s'est passé évidemment. Et là, on nous parle d'une personne qui serait dépeinte comme une personne stratège, quelqu'un qui serait doué en affaires. Donc on dit beaucoup dans les médias potentiellement que cet enfant aurait pu être séquestré, vendu, enfin bon, j'en passe et des plus horribles. Donc là, on nous confirme la rumeur en fait, hein. On nous confirme ce qu'on entend vraiment au sujet, c'est bien ça, donc la rumeur au sujet de cette affaire. La version du petit, j'ai le militaire renversé. Donc la version du petit ici se précise et nous arrivons sur toujours une carte de carreau, c'est intéressant, et deux figures masculines chez le carreau. Nous avons eu le valet et là nous avons le roi. On peut nous indiquer peut-être par ces personnages la présence aussi de plusieurs personnages qui pourraient entourer l'enfant et qui parleraient au sujet de cet enfant. Alors on va voir un petit peu ce que le message pourrait nous dire. Ici, avec ce militaire renversé, on nous parle de plutôt le petit Émile nous dirait que c'est une. Il a été avec une personne qui était de caractère inflexible, voilà. En fait, le petit, il nous complète l'information première, donc du voleur. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt une personne malhonnête, quelqu'un qui cache les choses, qui manipule. Et là, avec le militaire renversé, non seulement une personne qui manipule, mais en plus quelqu'un qui fait preuve d'inflexibilité, de rigidité, d'impatience. Donc là, c'est la version du petit. Ici, c'est la version de l'histoire des gens qui ont témoigné, les proches. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Pour compléter les présents renversés. La version des proches. Alors, la version des proches, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est les dernières personnes, évidemment, à l'avoir vu en vie. Et c'est les dernières personnes qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé dans la plus grande objectivité. Bien sûr, nous avons la justice qui fait obstruction et nous ne savons pas tout, et c'est très bien ainsi. Et c'est vrai que je pense qu'on n'imagine pas encore vraiment l'étendue de ce qu'on va apprendre. Donc, leur version de l'histoire, c'est la carte du voyage qui est ressortie. On nous a dit, effectivement, que l'enfant était parti à pied, qu'il avait été croisé dans le village, qu'il avait donc voyagé à sa façon. Mais ici aussi, on nous parle d'un enfant qui était en voyage chez ses grands-parents, qui était en vacances, pendant les vacances scolaires, et qui était hors de son domicile. S'agissant de leur version de l'histoire, si on reprend la carte du présent renversé, donc carte qui nous indiquait, je le rappelle, un cadeau empoisonné, ici on pourrait nous dire qu'une personne a été informée que cet enfant serait hors de chez lui. Ici on pourrait nous dire que leur version de l'histoire aussi touche au fait que ben, c'était une journée festive, on n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de regarder nos enfants jouer. Donc du coup, on pourrait nous dire ici que c'est quelqu'un qui se décharge un peu sur cette situation en disant qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le surveiller, mais ce n'est pas totalement vrai. Donc nous allons continuer avec la vraie version de l'histoire pour en apprendre plus, puisque ici nous allons recouvrir la carte de l'espérance. Et cette carte, comme je l'indiquais, donc une carte en trèfle, a fait preuve de foi, de dévotion, ouais, de dévotion et de foi. Donc la vraie personne ou la véritable histoire, ici on nous parle d'une femme aussi, hein. Je vais compléter. Il y a beaucoup de personnages, mais c'est normal avec ce jeu, c'est le but.
Donc, on ne peut pas miser sur le nombre de protagonistes avec ce jeu. Alors, j'ai de l'ami sincère qui arrive retournée, donc deux femmes, hein, de nouveau. Il y a une certaine cohérence au niveau du jeu. Ici, donc, on est bien pardon, sur la vraie histoire, la vraie version de l'histoire. Donc, la vraie version de l'histoire pourrait nous avoir été tronquée par une femme. Ici, on apprend avec l'ami sincère qui arrive retournée, donc la dame de trèfle hein, qui arrive à l'envers, c'est une personne, en fait, c'est une personne très opportuniste qui est représentée ici. Et on pourrait nous parler également d'une personne qui serait calculatrice et très, très mal intentionnée. Une femme ici. Si on revoit donc cette personne, donc là on est sur la vraie version de l'histoire. Vraie version de l'histoire, on nous dit. Ouais, c'est quelqu'un de très proche. Hein. C'est quelqu'un de très proche qui a d'habitude une parole sage en qui on fait confiance. Et j'aurais tendance à dire. Qu'il y a une femme qui aurait pu avoir un lien. Ouais. Donc ici, j'ai le flatteur renversé qui vient par-dessus la contrariété. Ce jeu n'est pas plus beau que celui d'hier, malheureusement. Ici, nous avons le valet de trèfle qui arrive à l'envers et on nous parle d'une personne hypocrite qui fait des fausses promesses. Donc nous avons ici le problème à dénouer. Le problème à dénouer ici, c'est qu'on nous ment, évidemment. Alors là, bon ben effectivement on nous ment, mais qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire de plus sur ce mensonge? J'aurais tendance à dire qu'on nous parle de personnes, donc peut-être bien des hommes. Vous voyez, il y a plusieurs quand même, il y a plusieurs protagonistes. Deux et deux. Ouais. Donc ici, le conseil pour déjouer ou dénouer cette situation concernant Émile, on nous avait parlé donc de la contrariété. On nous disait que si c'était des apparences trompeuses et des complications. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences, il faut aller plus loin. Et ici, en plus, on nous parle d'hypocrisie et de gens qui mentent de parole en l'air. Donc, les enquêteurs ont du boulot. Il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Et enfin, donc, l'évolution de la situation avec la carte de l'ennemi. Quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui observe. De nouveau, deux personnes. Donc, on a la victoire. La victoire, donc là on est dans du trèfle, hein, clairement, pour la fin. Donc cette victoire qu'on voyait tout à l'heure apparaître, qui nous indiquait le triomphe sur l'adversité. Et donc ça c'était chouette, parce qu'on pouvait se dire qu'on saurait au moins, et qu'il aurait au moins droit à la vérité. Et pour sa famille aussi. Ici par contre, on nous dit que cette évolution de situation va être un petit peu ralentie. Parce que ici, on est face vraiment à une personne très malhonnête, à un rival. Et on demande vraiment, avec cette carte, d'être très prudent. Donc cette personne, potentiellement, est puissante. Voilà ce qu'on peut nous dire donc, pour le tirage des cancans aujourd'hui concernant le petit. Je vais faire un tirage qui s'appelle donc Embrouille au salon, qui permet de dénouer un problème en général. Donc on va étudier la situation actuelle en prenant une carte. Alors l'important, si vous voulez, dans ces jeux-là, c'est particulièrement pour moi de rester connecté spirituellement à de la lumière, à quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que je mets ces ornements. Chacun y verra ce qu'il veut. J'espère que ça choque personne que j'ai un ange, en l'occurrence en cristal. J'ai des convictions qui m'appartiennent. Mais là, vraiment, cet ange-là, il m'a beaucoup plu. Donc c'est vraiment ornemental. Voilà la situation actuelle pour Émile. Les racines du problème pour Émile.
Ici, nous aurons donc les obstacles actuels qui le concernent. Ici, ça va être la carte qui va symboliser plutôt les aides que potentiellement, alors Émile, je ne sais pas, mais en tout cas sa famille ou la justice pourra recevoir. Et on n'est pas avec cette carte qui revient. Ici, nous allons avoir le comportement à adopter. Donc, je ne sais pas vraiment quel comportement pour nous, mais au minimum pour peut-être aider les forces de l'ordre. Enfin, une sixième carte pour ce qu'il faudrait éviter. Et une dernière carte qui va nous parler de l'évolution de la situation. Oh, la femme méchante à l'envers de nouveau. Le protecteur à l'envers. Flatteur. La contrariété. L'amitié sincère. L'ennemi. Et la perte d'argent. Ok. Donc ici, pour la première carte, qui est donc celle-ci, hein, nous avons le protecteur qui arrive retourné, roi de trèfle à l'envers. Donc ce qui n'est pas positif, on nous parle dans cette situation d'une personne qui fait face seule, qui se retrouve seule dans l'adversité. Donc quelqu'un aussi qui pourrait représenter, ouais, ça c'est un tirage pour dénouer la situation autour d'Émile. Hein. Une personne malhonnête ici et peut-être aussi une personne puissante. Un homme. Donc en carte numéro 2, on a la racine du problème. Et la racine du problème viendrait d'une femme méchante. Donc alors, ici elle arrive renversée, comme je le disais dans le tirage précédent. Le problème vient d'une femme stratège, douée en affaires, plutôt ambitieuse, quelqu'un de vénal. En carte numéro 3, nous avons les obstacles actuels. Et les obstacles actuels sont la contrariété, effectivement. Donc, contrariété, donc on est sur du carreau. Et avec la contrariété, on nous dit qu'il y a des apparences trompeuses et des complications. Donc, les apparences trompeuses, vraiment, sont problématiques. Les aides possibles ici. Ici, on a le flatteur qui arrive à l'envers. En aide possible. Donc on est sur du valet de trèfle et on nous apprend, il y a beaucoup de paroles, il y a en fait c'est beaucoup d'hypocrisie autour d'eux, des blabla, des. Voilà. Donc ce qu'on nous dit ici, puisqu'il arrive à l'envers, c'est que ce qui pourrait être aidant pour les enquêteurs, ça serait de ne pas écouter les fausses promesses, ne pas écouter, se méfier des témoignages. On n'est plus sur la thèse de la fugue, hein, vous l'aurez compris pour moi depuis bien longtemps. Donc là, ici, le comportement à adopter, on nous parle d'une amie sincère de nouveau. Hein, c'est beaucoup les mêmes cartes qui sont ressorties, pourtant je les ai mélangées. Donc ça ne fait que confirmer. Ici, nous sommes sur donc la dame pardon, de trèfle renversée. Comme je vous le disais précédemment, ici on est face à une personne, une femme, qui est calculatrice, qui est très mal intentionnée, qui serait opportuniste aussi. Hein. Donc là, au niveau du comportement à adopter, on ne nous parle pas forcément de ce qu'il faudrait faire, mais on nous parle peut-être de ce dont il aurait fallu que le petit se méfie. En tout cas, cette personne fait partie de son entourage. Ici, nous avons donc ce qu'il aurait fallu éviter. Donc ici, vous l'aurez compris, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc, on aurait pu, en fait, éviter cet ami sincère qui ne l'était pas, cet hypocrite. Et ici, ce qu'il aurait fallu ne pas faire pour éviter cette situation, c'est éviter quelqu'un qui était un rival. Quelqu'un qui était plutôt malhonnête, un homme. Hein. Donc, une femme et un homme qui auraient été à éviter. Enfin, ici, nous avons l'évolution de la situation et nous avons le symbole de la perte d'argent. La perte d'argent, c'est un peu étonnant pour moi de le retrouver ici. Mais nous avons dans cette perte d'argent, en fait, une surcharge mentale aussi qui peut être représentée. Et beaucoup de difficultés, en fait,
Ici, il y a de l'anxiété aussi qui ressort. Donc, l'évolution n'est pas positive. Et je vais essayer de recouvrir pour Émile une carte. Ouais, j'en ai un peu. C'est toujours les mêmes. Hein. Bon, j'ai le voyage qui vient de ressortir. Beaucoup d'argent. Donc cette dernière carte nous indique un message complémentaire. On est sur du trèfle, effectivement. On voit des personnes qui négocient de la monnaie. Peut-être qu'ils recomptent. Ici, il y a même un sac d'argent. Donc ici, en plus, c'est le chiffre 13. Donc on peut y voir du bien comme du mal. Et ici, on nous parle de quelqu'un qui a touché des sous par rapport à ça. Donc, il y a eu un succès par rapport à cet événement. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à rester toujours aussi gentil dans vos commentaires. Hein. La plupart du temps, vraiment, vous êtes adorables. Et c'est super important au cas où des gens de la famille ou des amis puissent consulter ces vidéos. J'ai vu vraiment les dérives, ça me fait mal au cœur. Hein. J'entends des choses parfois qui font froid dans le dos. Mes ressentis, bon ben, je les garde un peu pour moi, mais c'est normal, je ne peux pas me permettre sur YouTube de vous faire une analyse comme si j'étais dans ma cuisine avec une seule personne. Ça ne se ferait pas, ça ne serait pas correct. Et puis, je ne suis pas dans les petits papiers de la police ni de la justice et j'espère surtout me tromper. Donc, je me base vraiment là sur les cartes pour en avoir un peu le cœur net. Malheureusement, ce n'est pas positif, effectivement. Je vais regarder si on peut nous donner quelques indications avec... J'hésite avec le résilio pour savoir si on pourrait nous parler d'un lieu éventuellement. Je ne suis pas sûre que j'aurai d'informations sur le lieu. Hein. Pour moi, à vrai dire, il n'est pas parti de la maison ou il est vraiment pas loin de la maison. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune preuve, aucune rien de tangible qui me fait dire ça. C'est honteux. Je préférerais pas penser ça. Mais pour moi, il est vraiment pas loin. Un hamac, donc on peut nous parler d'un bois, ou en tout cas d'un jardin, puisqu'il y a un hamac, quelque chose de boisé. Un clavier, donc est-ce que quelqu'un aurait échangé par rapport à cette famille via des réseaux sociaux, du chat? Ça peut nous montrer aussi aujourd'hui tout ce qui se passe autour de cette affaire. De nouveau, un jardin. Là, je me concentre pour le lieu. Hein. Le lieu. Est-ce qu'on aurait loué quelque chose via Internet? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait recherché? Ah, peut-être qu'on a fait des recherches sur Internet. Ça vaudrait le coup de regarder les historiques de recherche, fouiller les ordinateurs. Fouiller les ordinateurs. Alors, est-ce que quelqu'un travaillait pendant que les autres étaient en repos ce jour-là? Je ne sais pas ça par contre. Est-ce que vous savez si quelqu'un travaillait pendant que la famille était réunie? Éventuellement, je sais pas. Le lieu où tu es, Émile. Où es-tu? Est-ce qu'on peut me dire où tu es physiquement? Ouais. Alors j'ai la carte du piège de l'araignée. De la toile d'araignée qui vient de sortir. Il est peut-être pris au piège comme elles font au milieu de leur toile. De nouveau l'équilibriste. Alors, un pont. Est-ce qu'il pourrait y avoir un pont? Est-ce qu'il y aurait des trucs, vous savez comment ça s'appelle ces activités là d'acrobranche, des machins comme ça dans le secteur? Je sais pas du tout. Hein. J'essaie vraiment de pas trop regarder parce que du coup, c'est très perturbant. Si je veux faire des enquêtes, si je regarde trop ce que disent les uns et les autres, après, moi, j'ai peur de me laisser complètement envahir par les interprétations. Donc, je préfère rester le plus neutre possible. Et c'est la première fois qu'une affaire m'intrigue autant et où je m'interdis de regarder les chaînes. Parce qu'hier, j'ai vu passer sur BFM, il y avait un sujet à 15h30 qui reprenait toute l'histoire. En temps normal, j'aurais tout regardé, hein, mais là, j'essaye vraiment de rester objective et de ne pas me laisser avoir. Allez, Émile, où es-tu ?
nous parle d'un lieu où il y a du passage. Peut-être d'une côte, d'une montée, d'une descente. En tout cas, c'est un lieu de passage, un lieu public, un lieu, ouais, il y a du passage autour de lui. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, ça ressemble, on voit l'écran comme dans un hall de gare. Est-ce qu'il aurait été transporté carrément? Alors ça pourrait vraiment être compliqué si tel était le cas. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je les range. Je ne suis pas sûre qu'on va vraiment vouloir me parler de lieu. Hein. Moi, je vais rester à ma place. Je crois que là, je vous ai fait encore une vidéo bien longue. J'espère en tout cas que ça ne dérange pas trop de gens, que je réaborde ce sujet. J'ai bien noté toutes les demandes. Les vidéos sur l'affaire du petit Grégory sont en cours. Et j'espère que le premier épisode vous aura plu ou va vous plaire, je sais pas. Oh la vache. Ouais, donc là j'ai l'argent qui ressort. Nom d'un chien, oh là là. J'aimerais vraiment pas. Enfin, là je suis en train de penser forcément, hein, je vois de l'argent, je vois des trains. J'espère juste que c'est pas du trafic. Emprisonnement du monde, de la planète. Avec quelqu'un qui observe. C'est vrai que c'est une affaire internationale, hein, ces histoires avec des gosses. Hein. Donc, ça me met vraiment en colère. Je suis désolée. D'habitude, je suis peut-être moins sanguine, mais là, ça me contrarie beaucoup. On me reparle d'un jardin. Hein. On me reparle ici d'un jardin. On cueille des fruits. Les fruits, l'enfant, l'arbre fruitier. Le fruit pourrait symboliser Émile. Vous savez, on dit le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre quand on parle parfois de certains parents et d'enfants. Si on considère que Émile est le fruit, je vois qui est l'arbre et on ne sait pas qui vient récolter. Quelqu'un qui chuchote, qui se montre secret. On ne parle pas de lieu. Hein. On ne parle pas de lieu. Un couple. Il semble être sur un bateau. Le couple. Hein. Ouais, non, j'aurais pas plus de renseignements à vous communiquer. Ça ne sert à rien que je continue. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera beaucoup plus audible que les autres. Encore une fois, désolée. J'ai vu qu'il y en a encore qui marquaient des commentaires pour me dire qu'on n'entendait rien. J'ai compris, j'ai noté, je vous ai fait un message d'excuse et j'espère que cette fois-ci, pour les personnes que ça intéresse, vous entendrez bien mieux. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre bienveillance et de toujours rester... plein d'espoir, de lumière pour cet enfant, sa famille. Et puis prenez soin de vous, c'est très important aussi dans votre entourage familial. N'hésitez pas à rester proches les uns des autres dans ces temps un peu compliqués. Quand on voit des disparitions comme ça, on se rend compte que la vraie valeur, c'est la famille. La famille, et pour ceux qui n'en ont pas, la famille, c'est aussi les amis. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée.